La première télé du challenge, le problème de Pépa, le Sénégal est en roche, mais c'est le Sénégal est en roche. Ambiri yalla nak mu ñew ci digënté bi ak effage bi nga xamé ni dañu nekk ci wét gi di fi liggéey liggéey bu am solo recruter nañ ci xalé yi ñong fi liggéey pour yok central bi côté génie civil bi sax lé mu jeex su ko défé nak côté électrique bi mom moy dess bu ko défé comité bi bind leen ñom itam ñong leen sante bu baax yalla def mu antu tay ji wayé nak fi mu ñëwé fofu la baxé dafa melni yalla def ci duggal loxom ndax biñ leen bindé matna 3 mois bi pompe bi di ñew tombé ak forage bi panne kon nak yalla duggal na ci loxom donc ñi ngi sante comité bu baax waye di sante askan wi askan wu 8 villages yi ak ba ci jingé seen taxaway lepp mom mo rafet ndax kenn déggu leen ñu ciow xana tak charrette yi ñi jël auto yi ñu dem de rotané fenen waye yalla ñew na tay ji parce que lo muñ rek yakana dina jeex pompe bi marque bi baxna yalla yalla topal ci xewal ba nga xamé ni pan bi dina fi gej parce que ñu di ci gis bopam ñun liñu yitté rek moy nit ñi nañuy naan nañuy sangu nañuy jox jur gi ñu naan lool rek mom mo ci am solo comme ñom ñi ngi ci bay seen war duñu man luma ñoo accompagner leen ci sant nañu baax l'ensemble des chefs de village ñi nga xamné ñi ngi fi seen njabot ñoo jaxlé waye fo gesso gis leen ñom dañuy ñimélo di sant conseil yi nga xamé ni ñom ñepp ñi ëpp ci 8 village les conseillers ñom itam taxaw nañu présent nañu waye di sant notable yi yi nga xamé ni ñom itam ñi ngi ci gox bi xam nañu njabot bi sonna na waye nak defal nañ leen ba yalla ñew tay ji usine yi nga xamné ñoo wër fi ngeen japp ni en tout cas partenaire yu dëgër lañu ñi ngi leen di sant di leen ñaanal yalla ñu gëna japp rek gëna jubbo ak askan wi parce que nous dal luñu defal suñu askan rek nous lañ ko defal donc bu ñuy def dañ koy jox maire yi maire bu ñëw maire amna droit mu teyé ko bi bu amé jafé jafé ñu joxé ko maire amna droit jox ko comité bi bu bi amé problème ñom itam ñu monté ko donc comme dañuy jox rek nous lañ ko jël parce que procédure yi dafa gudd deng ni depuis 3 mois ñi ngi top pour sa mëna jot pompe bi té pompe bakkan la rek ma nga xey seen pompe bi lan moko yak ben pitch lañ mo wad dugg bloqué ko man dal na ma fan yi ben unk bu ndaw mo dugg ci variateur bi boulé koko lak ventilateur bi après variateur bi yakku pompe dootu ñew donc incident yoyu du mëna ñak de temps en temps motax suñu amé pompe duggal ko nit ñi di naan ñu am ben réserve day tax suñu xel gëna dal kon nak pompe bobu su ñëwé vraiment dañ koy yité wu bu baaxa baax ñu tek ko rek à côté suñu digg ak ICS mom itam partenariat rek la parce que daw may nañu ay salle de classe may nañu ay bloc sanitaire joxé nañu fourniture scolaire joxé nañu ay secours corps imam yi ak yoyu kon nak partenariat bu am solo mom luñu sékk suñu digg ak ICS buñ dajé dembitam ñoom itam ñi ngi ci waccay wi taxaw di wut pompe pour jox ko askan wi amna yeneen yo xamni dig nañ ko parce que bo jëlé le stade Taïba Ndiaye lancé nañ appel jox pour défal ko ay gradin ay tribune ñi ngi wa bu paré ñu lancé wat appel jox pour défal ay projecteur ci stade bu Taïba Ndiaye niñ ko ñaané Taïba Ndiaye aussi non lañ bëgg stade bu 8 villages yi mom itam ñu défal ni ay projecteur nga xamni xalé yi bu ko temps bi xaté dañu mëna football sax guddi kon nak ICS relation yu am solo mom lañu sékk sékk ko ak le parc éolien mom tam mi ngi liggéey liggéey bo xam liggéey bu am solo la tobeen pauvre fani rek lañu rencontré ñom Seynabou ñom Serigne Ndiaye ñom tam lepp rek liñu utiliser du suñu intérêt su bop mais intérêt pour commune bi mëna jëm ci kanam kon nak usine yi nga xamni ñoo wër fi ngeen japp ni en tout cas partenaire yu dëgër lañu ñi ngi leen di sant di leen ñaanal yalla ñu gëna japp rek gëna jubbo ak askan wi je suis la responsable de genre et inclusion sociale pour EFH énergie système dans le cadre du projet transport et ce projet s'intègre dans le compact de l'énergie MCA Sénégal 2 et nous avons 8 différents sites entre Dakar Thiès et Durbel et nous sommes très heureux qu'aujourd'hui nous avons pu lancer notre première action en responsabilité sociale d'entreprise qui est la remise d'une pompe pour le forage de Cœur Malais Minam et pour la communauté de Taïba Ndiaye où nous avons installé un site et ce site en fait est en train de aussi travailler pour la communauté notamment pour renforcer le réseau de la Sénélec. Les travaux vont prendre fin très probablement vers la fin de 2025.
si pas encore tenir jusqu'à 2026. Et nous sommes aussi très heureux de notre dispositif de recrutement local à travers lequel nous intégrons les jeunes de la communauté, certaines femmes de la communauté même, et bien sûr tous ces travailleurs adultes qui nous ont été recommandés par le comité local de recrutement sur notre chantier. Vraiment, c'est une journée heureuse et nous espérons que cette pompe va vraiment servir à la population. Merci. Je vous remercie de cet accueil chaleureux que nous avons depuis 8-9 mois, nous avons ici. Nous avons trouvé des gens très très bien, une communauté très bien, qui nous fait donner le devoir de vous aider au plus que nous pouvons, au plus que FH puisse aider, dans la mesure de nos possibilités. Mais je tiens à vous remercier encore beaucoup, et Monsieur le maire aussi, de tout l'accueil que nous avons eu depuis le début, que ce soit pour les recrutements, que ce soit pour les problèmes d'eau que nous avions, tout a été résolu. Et c'est avec plaisir que EFAGE Energy System peut aider la communauté à travers cette pompe qui est une petite goutte d'eau dans un océan, mais c'est comme ça qu'on commence à remplir un verre. Donc voilà, au fur et à mesure, nous sommes à l'écoute de la population, nous ne voulons pas trop déranger la population avec le bruit et tout. Vous êtes très patient déjà de tous les inconvénients que nous pouvons produire dans le chantier. Et voilà, c'est sur ces mots que je vous remercie. Et nous faisons don à la communauté de Minam-Cœur-Malais et de tous les villages de cette pompe Caprari. Voilà. Merci. Je l'ai transmis à Gore, ce qu'il a fait rapidement. Et après 2 mois, on a eu une panne de pompe. Je lui ai rappelé. Il m'a dit non, c'était un long processus. Donc, puisque vous voulez une pompe et tous les accessoires, donc il faut prendre du temps. La dernière fois, quand la pompe est devenue HS, je lui ai rappelé. Il m'a dit que non, il y a 2 options. La première option, c'est un processus qui est un peu long. Mais la deuxième option, on va acheter la pompe à 4 900 000. Donc ça peut faire rapidement. Je lui ai dit, OK, parce que la population ne peut pas attendre. Je vais ouvrir une parenthèse. On remercie toute la population de la patience qu'ils ont accordée au bureau de l'Azifor. Parce que le devoir de l'Azifor, c'est de donner à la population de l'eau en quantité, en qualité et à un bon prix. C'est ce qui nous a laissé aujourd'hui pour conduire le forage. On ne va pas laisser comme ça, parce que la population nous a fait confiance. Donc cette confiance-là, normalement, on doit les satisfaire d'une manière générale. Donc à part de cela, M. Bertrand m'a appelé il y a 2 jours de cela. Il m'a dit qu'on a trouvé une pompe Caprari. Je lui ai dit que la pompe Caprari là, à part la pompe KSV, qui est une pompe allemande, c'est une des meilleures marques de pompe. Il m'a dit que ce sera disponible dans quelques jours. Mais hier, à 15h, M. le maire Ablaye Diop, il m'a appelé avec Gore que la pompe là, elle est disponible et que demain à 13h, il y aura une série de réceptions. Je lui ai dit, OK, parfait. Donc, en tout cela, on remercie également M. le maire, M. Ablaye Diop. Parce qu'avant ça, on a acheté une pompe. Hier, on a trouvé une pompe. Elle est là. Donc, puisque M. Bertrand nous a offert une pompe, vraiment, toute la population vous remercie chaleureusement. Et vous passez nos remerciements à M. Pierre Soblog, à travers M. le maire, à travers toutes les autorités locales, à travers toute la population, les chefs de village, les imams, tout le monde. Vraiment, on vous remercie. Monsieur le Bertrand, représentant de EFAGE, Madame Désirée, avec qui nous avons communiqué hier pendant plusieurs fois. En tout cas, nous vous saluons d'abord. Nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui pour réceptionner une pompe que EFAGE a voulu bien offerte à la communauté des 8 villages, parce que ici cette zone-là est composée de 8 villages, plus le village de Djingé, donc cette pompe va alimenter au moins 9 villages, on peut dire que c'est le quart de la population de la commune de Taïbendjaye. Donc vous avez dit que c'est une petite goutte d'eau
dans la mer, mais en tout cas, nous avons magnifié cette goutte d'eau. C'est très important parce que l'eau, c'est la vie. Nous avons souffert ces jours-là. On a fait taper sur plusieurs portes, mais c'est vous qui avez répondu. En tout cas, c'est l'occasion vraiment de vous remercier infiniment. Je pense bien que le comité va utiliser, va faire bon usage pour que la population, en tout cas, n'ait plus ces problèmes de besoin d'eau. Comme l'a dit le président, il gère pour les besoins de la communauté, pour les livrer de l'eau en quantité, en qualité, à un prix raisonnable. Donc, en tout cas, nous les saluons, nous les remercions également de tous les efforts qu'ils fournissent pour que les populations n'aient pas ces difficultés. En tout cas, nous remercions tout le monde, mais encore mention spéciale à EPAGE pour ce don vraiment magnifique. Nous avons dit que nous avons collaboré parce que tout ce qui rentre dans, pour la communauté, c'est un don ou bien un legs. Seul le conseil municipal peut valider ou bien peut réfuter. Mais Désiré et Bertrand, ils ont très bien compris. C'est pourquoi on a appelé Ablaye Diop parce qu'elle a essayé de me joindre. J'étais en réunion, en conclave avec M. le sous-préfet de l'arrondissement de Meiwan. Je lui ai même expliqué le problème-là que vit la population de cette contrée. Ablaye Diop m'a appelé, le deuxième adjoint. Lui aussi, il faut vraiment le remercier de tous les efforts, en tout cas, qu'il a fournis pour le développement de l'acquisition de cette pompe-là. Il n'est pas là, il est vers la Casamance pour des besoins de sa profession, mais il va revenir incessamment. En tout cas, nous remercions tout le monde. Encore une fois de plus, merci. Merci, M. Bertrand, parce que depuis qu'il est venu, il a fait une visite de courtoisie. Tout était clean pour le recrutement des jeunes pour travailler au niveau du chantier. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de récrimination venant de ces employés envers vous. Donc, une fois de plus, merci beaucoup et que vous réussissiez vraiment aux différents travaux. Une fois de plus, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ñi ngi leen nuyu baax baax di leen ziar. Ñi ngi leen balax te di leen balax di ñaan Yalla suñu borom bo leen jéggal. Melni monsieur le maire ñi ngi lay nuyu ak suñu mbokk wa EFAS yi. Ci seen taxaway bu am solo bi nga xamni taxaw nañ ko. Nañu xamni ni ñu ñëwé population bëpp am nañ mbékté ak contenté ci seen jëf ju reuy ji. Li ngeen jëf reuy na ci ñun tuddul ci ñun. Gis nañu li ngeen ñu defal yeen wax deug Yalla buñu sañal ñu melni yeen rek lañuy dekkal ndax yeen da ngeen ni ñew ci ñun and ak njariñ kon nak li ngeen di liggéey Yalla na suñu borom jappale leen te barké leen liggéey bi taxaw leen ngeen jëm ci kanam ak kanam wa salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk mi gannaaw bi nga sétane video ba paré ñu ngi lay ñaan nga bëss fi ñu bind jëm bu féké gën na ci chaîne bi nak bëssal fi ni ñu bind s'abonner après nga activer cloche bi ni mën nga tamit wax sa xalaat fi ni ci commentaire yi li nak do ci fay dara te dina tax vidéo buñ dugalati ding ci jot.